Céline. Je me suis écrasée sur Atropos. J'ai survécu, mais... pas Helios. Ma combinaison est opérationnelle, mais je n'ai plus d'armes. Je laisse le canal ouvert. J'abandonne Helios. Je me dirige vers le signal de l'ombre blanche. Cette forêt est remplie de ruines d'une civilisation extraterrestre. Des murs, fondations et statues antiques. Journal de reconnaissance. Atropos. J'ai découvert le corps d'un éclaireur Astra. Processus d'identification en cours. C'est... Je continue vers l'origine du signal. J'ai découvert une ressource potentielle. Elle peut servir aux réparations de la combinaison. Classification, Sylphium. Il a battu. J'ai trouvé un journal de bord. Je l'ajoute à la base de données. Début de l'écoute. Journal de reconnaissance. Atropos. Temps écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes... À chaque fois que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupéré tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. Je ne pourrais pas avoir enregistré ça. Système de sécurité découvert.
doit s'agir des architectes de ces ruines. C'est peut-être eux qui diffusent le signal de l'ombre blanche. J'ai survécu. Vous me recevez? Je suis dans mon vaisseau. Ma combinaison est opérationnelle et... J'ai déjà vécu ça auparavant. L'environnement ne ressemblait pas à ça. Thank you.
ou simplement des corvées. C'est peut-être ce qui m'attend. J'ai découvert une technologie extraterrestre sur le corps d'un sentient. Le scan indique qu'elle peut améliorer la combinaison. Elle semble utilisable. Intégration du système terminée. Mise en route du test de confirmation. C'est confirmé. Une téléportation d'un point à un autre. Le point d'arrivée semble fixe. Extraterrestre récupéré. Je pense que ça me sera utile. Découverte d'une technologie extraterrestre qui produit d'autres appareils.
Découverte de traces d'un langage extraterrestre rudimentaire. Je manque de ressources pour déchiffrer ce xénoglyphe. Découverte d'un fragment de langage extraterrestre. C'est... Ça ne peut pas être ici. Je crois que je revis mes souvenirs dans cette maison, mais... pas complètement. Ils sont corrodés. Il en manque des morceaux, d'autres semblent façonnés de toutes pièces. Mais je me souviens du tourment, de la sensation de perdre la tête. Il n'y a aucun confort ici, aucun endroit sûr. Et l'astronaute continue de me suivre. De ma maison. Comment est-ce possible? On dirait un autre appareil de téléportation, mais plus complexe dans sa construction. J'ai découvert un automate brisé, qui tient une sorte d'outil. Il semble utilisable. Je l'ajoute à mon équipement pour un usage immédiat. Sorte.
sorte de technologie qui enregistre le passé. Une sorte d'archive visuelle. Les Sentients ont rencontré la même faune hostile que moi. Ils ont construit des défenses. Cela a dû se passer il y a des siècles. Les fabricateurs. Je m'en suis servi. Je l'ai laissé. C'est impossible. J'ai consigné mes premières missions dans ce classeur, mais il est stocké dans les archives du vaisseau mère. Ça date d'après mon départ. Et me souvenir de ça. Mmh.
folle agonie. L'étrange se trouve juste derrière. Elle est peut-être liée à l'ombre blanche.
positive. Je vais devoir explorer l'autre côté. J'ai traversé le portail de téléportation. D'après les coordonnées du signal, je suis de l'autre côté de la planète. Désormais dans un grand désert, je détecte une autre énergie étrange depuis le sommet de la montagne. Je me dirige dans sa direction. Journal de reconnaissance à trop. Je commence mon ascension de la montagne. Je ne sais plus à quelle tentative j'en suis. Malgré la connaissance des dangers qui m'attendent, j'ai du mal à récupérer la technologie. Il y a certains obstacles que je préférerais ne pas avoir à affronter de nouveau. Mais j'ai la sensation que quelque chose m'appelle au sommet. Thank you.